Lorsque Francis reprit connaissance, une violente odeur de moisi lui secourait les narines, accentuant son mal de crâne. Alors, ah, mais c'est tiré d'un film, du coup. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais doubler, hein, de toute façon. Oui, et alors? Vous trouvez que j'ai la gueule du héros de l'histoire? Francis se demanda s'il n'était pas en train de délirer, parce qu'il entendait la voix de Patrick Timsit. Il tenta de se rappeler des dernières secondes où il était conscient. Voyons. Il marchait le long des murs de la compagnie missionnaire, se sentant un peu seul et rejeté, pendant que l'unique personne qu'il connaissait visitait les lieux. Ouais, enfin, le visiteur, mais bon, l'unique personne qu'il connaissait bien, parce que petit à petit, il a quand même appris à connaître Raph et puis un petit peu Tess aussi. Il attendait les instructions afin de pouvoir aider au maximum cette bande qu'il venait d'intégrer. Enfin, plutôt qu'il voudrait intégrer. C'était pour ça qu'il avait rejoint le visiteur. Pour une fois, il avait l'impression d'être quelqu'un d'important, de pouvoir faire un truc assez grand pour prouver sa valeur et combler le vide au fond de son cœur. Car depuis un certain temps, il avait le sentiment que quelque chose manquait dans sa vie. Le pire, c'était de ne pas savoir quoi. Le visiteur avait compris que ce n'était pas forcément pour les autres qu'il l'aidait, mais il s'en foutait. Francis l'aimait bien, il ne juge pas les actes des gens, mais leurs résultats. Enfin ouais, enfin dans le sens où... Oh oui, pourquoi t'as fait ça? Ah bah finalement c'était pour quelque chose de bien, donc t'as raison, c'est cool. Avec lui, Francis se sentait utile. Il avait adoré cette journée pouvoir rencontrer les gens dont le visiteur parlait si souvent. Surtout la jeune fille qui lui souriait, elle le perturbait. Mais ce n'était pas ça qui le perturbait beaucoup à présent. C'était l'odeur de pourriture et cette voix de Patrick Timsit qui chantait dans sa tête. « Et le mensonge, messire l'arnaque. Vos gueules, j'ai pas choisi d'être petit et pauvre, et moche, et méchant. » Parfaitement moche et méchant! Francis tourna la tête et fut pris de nausée, ce qui le ranima. Rappelle-toi comment t'es arrivé là. Il marchait le long des murs. Puis il avait senti une piqûre dans son cou. Il avait été drogué, puis emmené dans ce taudis. On lui avait attaché les mains et les pieds, mais Francis put voir trois hommes en train de regarder la télé. D'où sortait la voix de Patrick Timsit. Je crois pas à l'héroïsme, aux histoires qui finissent bien, aux. Hey, les mecs, regardez, ils se réveillent! Les trois ballots éteignirent la télé et s'approchèrent de Francis assis sur une chaise. Il comprit qu'il était dans un de ces bunkers habitables pour les humains qui vivent sous terre à cause des zombies. Il se disait aussi que l'odeur lui rappelait le laboratoire du visiteur. En voyant les sourires des trois personnages qui l'entouraient ainsi que leurs armes au poing, Francis eut un choc. Il avait été enlevé. Qu'est-ce que vous regardiez ? Demanda-t-il. Oui, parce que nous sommes dans une fanfiction très réaliste. La première chose que quelqu'un fait quand il a été enlevé, c'était « Qu'est-ce que vous faisiez exactement ?» Chasseur de dragons, un classique de l'animation française. Vous exagérez beaucoup, là, dit Francis. En même temps, c'est pas comme si la France avait fait beaucoup d'animation, fit le plus petit. Alors, on a fait de l'animation, hein, quand même, depuis. On fait des trucs cool, donc... regardez les trucs cool que fait la France. Voilà, surtout Dofus. C'était sympa, Dofus. Ouais, mais c'est pas le plus important, là. L'important, c'est de savoir quand le sauveur va arriver. Arriver ? Demanda Francis. Mais pourquoi ? Ah ouais, c'est vrai, t'es pas au courant. En fait, on t'a enlevé pour faire une demande de rançon. Bah oui, tu vas nous servir de monnaie d'échange. Mais qui vous dit que ma vie est suffisamment importante pour eux, pour qu'ils vous donnent ce que vous voulez ? Ah bah ça serait couillon pour toi, tiens. Pourquoi ? Non, la vraie question, c'est pourquoi est-ce que j'ai posé cette putain de question ? Bah, parce que si le sauveur ne nous donnera pas ce qu'on veut, bah, on tuera. Comment ça, Francis a été enlevé? Raph n'y croyait pas. Voilà moins d'une heure qu'ils étaient chez les missionnaires et c'était déjà la merde. Après avoir constaté l'absence de Francis, Raph était... Oh non, mais c'est horrible, mais je fais des fautes. Genre, je regarde ce que je suis en train de lire, au lieu de marquer Raph, j'ai mis Ra. Le pouvoir de Ra. Raph et Tess étaient partis au laboratoire d'Henri pour vérifier s'il n'était pas avec eux. Mais le visiteur avait une autre nouvelle à leur annoncer. Il y avait ce papier sur le bureau. Visiblement, il ne voulait pas de mes gadgets électroniques, ce qui est bizarre vu comment j'ai pu faire avancer cette pointe de la technologie. C'est écrit avec quoi, ce mot ? Vaut mieux pas que tu le saches. La lettre disait « Si vous vouliez retrouver votre ami vivant, rendez-vous à 15h, heure locale, au bunker numéro 421. » Mais n'essayez pas d'y entrer avant. Nous avons des amis très... persuasifs. Pourquoi on n'essayerait pas d'y entrer avant? C'est stupide, genre... Ils sont dedans, donc bon... Enfin, bref. Non, c'est bizarre. Quand je me relis, je me dis, il y a des trucs pas logiques. D'autant plus que ce serait du gâchis de votre énergie. Tout ce que nous voulons, c'est une machine à voyager dans le temps. À bientôt, donc.
Mais qu'est-ce que c'est encore, les histoires? Et là, vous vous dites, oh, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter, la solution est simple. Mais c'est sous-estimer la puissance de la scénariste. Putain, meuf, mais comment tu te crois trop? Il y a tellement de failles dans ta fanfiction. Des failles! Étant donné que le truc principal, c'est une faille. Ah là là là, qu'est-ce qu'on rigole. Pardon. Oh, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter, la solution est simple, fit le visiteur. Oui, on leur donne une machine à voyager dans le temps, et puis voilà. Après tout, on a assez d'argent pour... Non, fit Tess. Tout le monde se mit à la regarder avec des yeux. Quoi? Il ne faut surtout pas qu'on leur donne une machine à voyager dans le temps, parce que sinon... Le visiteur retint son souffle. Non, en fait, je ne sais pas ce qui va se passer. C'est juste que je le sens au fond de mes tripes. C'est pas une grande conviction qui va nous faire avancer, dit Constance. Ce sont les grandes convictions qui ont fait les grands hommes, ajouta Tess, en regardant discrètement le visiteur. Et puis je vous rappelle que Tess a une faille temporelle en elle. C'est possible qu'elle puisse ressentir les mouvements et les changements que l'on cause. Un peu comme si j'étais le temps lui-même, en mode Bad Wolf. Si tu veux, oui, faudrait qu'on fasse attention. Et si on utilisait notre simulateur depuis le temps qu'on en parle? Henri alluma le logiciel et tapa les informations. Constance, le visiteur, Raph et Tess attendaient gentiment quand soudain une voix robotique sortit de l'ordinateur et dit « Alors là, j'ai marqué que c'était une voix robotique, donc je suis obligée de le dire. Yes, you !» Il ne faut surtout pas que ces hommes aient une machine à voyager dans le temps, parce que sinon, voilà ce qui va se passer. D'abord, ils ne vont gagner qu'une seule fois au loto, mais suffisamment gros pour acheter ce qu'ils veulent, leur maison, leur piscine, leur voiture, etc. ETC, toi-même tu sais. Mais ils vont vite se faire endetter et donc recommencer, mais au début, juste des petites sommes. Sauf que du coup, certaines personnes pensent que leurs paris sont truqués. Alors ils vont partir dans un autre pays. Or, leur almanach ne donne que les résultats français. Donc pour survivre, car ces couillons n'ont pas pensé à travailler... Pardon. Ils vont vendre leurs objets les plus précieux pour finalement devenir super pauvres en plein milieu de la Suisse. Mais le pire, c'est qu'ils vont aussi vendre la machine à voyager dans le temps qui va alors finir entre les mains d'un laboratoire ultra secret. Ce labo utilisera continuellement la machine pour au final débarquer en 2550 en découvrant le futur et en faisant des recherches pour pousser plus loin le voyage dans le temps. Ils vont ouvrir un passage spatio-temporel permanent qui permettra à n'importe quel paradoxe de s'infiltrer en 2020 et ainsi avancer la fin du monde en important tous les zombies à cette époque. Des images terribles. Tous les protagonistes se regardèrent et dirent « Ah merde !» On peut faire confiance au simulateur, il est fiable à 98%, ainsi qu'à l'intuition de Tess, bien entendu. Il ne faut pas donner cette machine alors. Mais hors de question qu'on abandonne Francis, dit le visiteur. Je ne veux pas de mort. Pas encore. On fera ce qu'on pourra. La technique de l'attaque surprise me semble la meilleure, fit Constance. Ils ne s'attendent pas à ce qu'on refuse. Et dans un bunker, il est difficile de savoir ce qui se passe à l'extérieur. Donc on fonce. Mais c'est qui, ces amis persuasifs? Sans doute des gens qui gardent la porte au cas où Francis s'enfuirait. Mais qui serait assez fou pour surveiller une porte en plein territoire de zombies? Des nécrophiles. Bien vénère depuis qu'on a éliminé une grosse partie de leur bande, marmonna le visiteur. Vous n'avez qu'à vous téléporter directement dans le bunker alors? Au risque qu'il me tue, ainsi que Francis, tout en récupérant ma machine? Non merci, dit le visiteur en enlevant le thème plus fugitron de son poignet. Vaut mieux que je laisse ce truc ici et qu'on le fasse avec les bonnes vieilles méthodes. Ok, j'appelle les renforts. Constance se mit à appuyer sur son bracelet électronique, puis parla dans le micro intégré, indiquant qu'un homme de 2013 avait été enlevé dans cette époque et qu'elle avait besoin d'aide. Dans cette époque, dans le sens, dans l'époque à laquelle ils sont maintenant, donc 2550. Puis elle alla vers le bureau de Henri, ouvrit un tiroir et tendit un bracelet pour le visiteur. Ça nous permet de communiquer quelle que soit l'époque en cas d'urgence. Je me disais aussi, je trouvais ça bizarre que Raph continue de porter ce bracelet. Vous savez ce que c'est, porter une bombe autour du poignet? Oui, Raph, tout le temps. Hein? Il faut qu'on aille dans les sous-sols, dit Constance. Je propose qu'on se sépare pour voir les alentours du bloc numéro 4 afin de connaître les entrées du bunker 421. Ok, allons-y. Nos héros prirent le toboggan magique afin d'arriver au rez-de-chaussée, puis empruntèrent un escalier pour s'engouffrer dans la ville souterraine.